you. Sequencer on the stage.
was just getting clipped there for Twitter, because this is something where I'm not making a fortune to it, where all these SLS program people are pulling me. They say, no, I'm going to do it. Chris, I'm going to SLS tweets today. I'm going to put BM one on. There is the booster in the air. I'm going to try to get. I'm working on trying to get another robot online. I don't want to move this one so we get a time lapse, but we definitely have more than one robot. Well, I can take a question that's quite related to this. I think it was on the actual question queue. I don't know if it's still there or not, but it was asked about the static fire of BM1 being similar to an SLS screen one. They don't do that. It's a different situation. It's back, sorry. Right. Are we back? 5x5, we're back. We should be back. That was 100% my fault. I may or may not we have two different servers going, and I clicked the wrong button in my desperate panic to get another robot online, but we should be back. Thank you for the acid chat that alerted Chris Bergen. Give me the problem, that's not fixed. There we go, and the quality will be back to normal now if you're just catching it with that, because it was just catching up with the reboost. So yeah, with BO1, this is not expected to launch. This is expected to be a ground system test where they can take it out to the launch pad. It'll be onto the Starship launch pad, by the way, not the super heavy orbital launch site just yet, which they're building, and they're building at pace. As we've seen the videos from Mary, they really are building at pace. This will be just basically for the ground system equipment testing, and also the internal workings of the tankage on Super Heavy. And hopefully with BM2, it'll be either a hop or a launch. We don't yet know. We do know that Evo first mentioned the testing for the Super Heavy will be literally related to hopping. But I think they may have expanded since then, because that was before SNA. We've seen, obviously we've not seen the full cycle of a successful landing and then taking up the launch of landing pad. We have seen explosions each time. But each time they've launched properly, they've had a lot of success with the Starship program. Let's be under no misconceptions about this. SN8, SN9, SN10 all did extremely good. They did the ascent, the flip, the landing. They've just got to get the landing part right. They've sorted out the situation with the flip maneuver. They've got the landing on target each time. I forgot how to play Ricky. Structure, and when we see this thing roll out to the suborbital pad, that will be something unique as well. We see the actual starships rolling out, and they are a tall sight to see on the roll list. So when we see this thing rolling down the road, it'll be something surreal. You all give me a second to tweet this out. I don't think many people are aware where I am on this.
that makes a lot of sense, that when you lift this to the height of clearance and then literally roll over the bottom tankage and then place on top rather than swing it over, because I don't think we've seen from our GP the actual aerial photograph, the hole in the roof is very small. There's not enough translation to move it across to the side. And another element, Chris, is that we saw there is a bridge crane there currently installing. It arrived yesterday. That'll be located at the top of the high bed stacking operation. So I'm not sure if that would be used for a full super heavy stacking or just a partial stacking, because if they first stack each of these two sections, you can see those are originally lots of small components that stack together in high bay, and finally they stack the final two completed pieces. But there is some speculation about whether or not the bridge crane would actually carry the mass of two of these sections, or the mass of one of these sections. I think it probably could. So I'm not sure if this is going to be how they do it in the future. They would probably use the bridge crane after today once that's fully installed, but we'll have to wait to see how that plays out. I was going to say, Javier, who said, just renew membership, love what you guys do, please never stop. We will, but I feel some days we wish we could, because we had a break. Been watching you since the Mark 1 pop. Wow, you have been a long-term tap watcher. But very much appreciate sport and your long duration sport as well. It is fascinating times, but you've been here from the start, so that's great. I am going to put a tweet into the chat because Mary is on site and she just took a little clip of it, of the actual raising on SPM1. So that is going to chat now. You can all follow that. I'm sure most of the people in here who follow everything that's going on in the Boca Chica are already following Mary. She has 120,000 followers on Twitter, which is amazing for a single subject person to get. But just, you know, for covering this, 120,000 followers. I've been doing this years, and I have got 146,000 followers. Mary's going to overtake me this year, and I for one will not be upset by that, because she deserves it. Steady it. Not swaying as much. This might take a little while for it to dampen out its sway before they'll consider moving across the box anchorage across. You should see mating within the hour, I reckon. Sebastian, there's no questions here. These people throw money at it. But very much appreciate it. Love you guys. Here's $5 for SLS, $5 for Super Heavy. I think that's fair to both of us there. Very much appreciate that. Big move.
large wheel on two Raptors for 150 meter hop, but we did see the thrust pump beyond one, and it had four vent holes, which you see the trivantic actual starship test, so we believe it might. Again, BM1, we're not expected to fly. We're expected to be for ground testing for a satellite, maybe. So if you do install Raptors on it, I don't think we'll see many. We'll just get enough data from the firing to test out the ground support equipment and the actual tankage itself. The question will be for BM2, and indeed BM3, how many Raptors will need for that? That is the big question. I have no answer for that at all. We don't know. I think we'll be looking at the thrust pump and getting some ideas from the vents, seeing an indication of how many Raptors will need for it, but the big question is they don't want to lose Raptors during testing. So these are expensive units, these are expensive engines. They would rather go for the minimum amount, just in case they lose a booster, that they won't lose that many Raptors in the process. So we don't know the answer, but we'll keep an eye on it. You can see they're making progress getting those two sections of the Super Heavy booster connected or lined up, but I mean the height of that thing is just ridiculous, Chris. Imagine that with a starship on top. The starship itself is about 50 meters tall. We've seen the renders that it's bigger than a Saturn V. And I know a lot of people don't appreciate how tall the Saturn V was, but in a lot of photographs we see units of scale. That was a monster rocket, and this is going to be taller. Yeah, the total stack height of the SpaceX website is 120 meters. The exact super heavy stack has been adjusting. But at least this design has been landing legs, there's been no landing legs. So I'm not quite sure what the exact meter to the meter height is going to be, but approximately 120 meters tall for the Super Heavy booster plus the Starship on top. There's no doubt, so I think they're on target. Move it across and have the guides. So any oscillation, any kind of sway, if it's just minor, have the damp and doubt as soon as I get to the point of guiding it in. In fact, it might come in handy because many times I've seen them put nose cones on and had to get crowbars out because it's just not aligned properly. The sway might help a little bit. Because it's Atlantis. And that was the first real live NASA TV coverage of a short launch that you could watch without being on TV, you could watch on the internet. It was terrible feed, it was literally like 360 at the most, I think, if that. And it was just something where you could follow along properly, but it also had the first launch of the rocket cam. So they were showing it, Rob Davis commentating, I remember distinctly, and it was a rocket cam view from the external tank, pointing down towards the shore. And it was just surreal. They lost the camera after about 2.5 minutes of ascent, but it was beautiful. You could see the roll program with Space Coast Florida rolling away and the arc towards orbit. Oh, it was just something that, if you were watching that and you were into rockets or anything like that, you probably wouldn't convert it during that launch. So that is a special place for me. But as far as historic missions go, SES-125, that surfacing mission to Hubble after Columbia with no ISS safe haven, used Atlantis on the opposite pad as SES-400 launch on need rescue support. That was back to the old days of NASA, you know, see the pants kind of like actions where they had approved something that most of the time they would never have got approved before. Because it was Hubble, one chance to save Hubble. They worked for it, they worked for it. Wonderful mission. And that was Atlantis as well. Thank you for the membership.
achieve it faster than if you didn't have that drive. So there's a method behind the madness, shall we say. But this year, there's a good chance this year we will see a full stack Starship super heavy vehicle launch. And I find that surreal. That is something else. That when that thing launches, I wonder what the reaction will be from people who have not taken any interest in this so far. Because this big silver rocket is visually beautiful. It really is. Compared to some other rockets that launch, their launches look great, but the rockets themselves don't look at all impressive. This rocket looks impressive. And I think the amount of interest this will build, and also benefit from, will be something else. For sure. A couple more chat messages, super chats. Rob and Frodo with a few more memberships to add to the list. Musical Wolf says, SpaceX have to increase the height of the high bay. Space you do see where you think they could build another facility is mostly going to buy cars. It's because they've got that many workers there. And we've seen in the expansion of the orbital and the suborbital launch pads down the road at Highway 4, that one space allocated towards another car parks. So that just gives you an indication of how many people work there and how much space they've got to allocate to make sure the workforce can park up and then get to work on these big silver rockets. Shows the scale. You've got some cars in view, so you can see the cars, you can see the crane, you can see people on the crane, and that just shows it's using the full height of the high bay just to stack this booster. So when this thing rolls out, my word, I think we'll have to clear the roads and people are out there. We know Austin shot his feet, so he's rolling by. I think they'll be pushing people back for this one. Yeah, and more questions. Is this final stacking of VN1, I think so, Chris, right? Yeah, I really don't. I mean, this is what they're doing. This is the cadence. Again, this is what we're talking about. I mean, people say, oh, fair enough, you've got this date, and it doesn't make any sense. It's even too soon. You do agree with it, because that's how they work. They always work on that kind of like accelerated timeline. But then they're going to achieve it. So, what can you say? I mean, this is what we're seeing. We're seeing the first super heavy boost being stacked. And it'll be rolled out after SN11 in a matter of weeks. It's just where they are. This is how fast they go. And they have the cadence to do that because, unlike SLS, they haven't got the next one a year away from being tested. The next Starship is in the mid-bay, SN15. The next Super Heavy, VN2, their rings and sections are outside when it's done. That's how fast they go. So they can afford to do this at this pace of testing and afford the losses and gain the data from that which will benefit them in the long run and just fly again, test, fly, fail, repeat, you know, fix, fail, repeat. It's amazing, really. It's
for a facility that isn't that massive compared to some facilities for rocket companies, they do go through a lot of vehicles at some pace. Brett says, all hail Mary and Jack. I totally 100% agree with you. I agree with that too. These robot feeds would not be possible without the hardware for both Mary and Jack getting them set up and managed for us. And of course, Mary will have spectacular footage. She's down there getting some footage for daily videos. So stay tuned for that. We have some awesome footage of the stacking operation in our daily video. Have we seen a thrust pod that could hold the full complement of Raptors for BN1? BN1 is only going to have a couple of Raptors, Chris, but is any other thrust pod can handle it? Yeah, it's 2 or 4. That's what comes to the conclusion. We don't know for sure. Elon said 2, but that was before SNA, so plans change all the time. It was a long time ago. Jack took a photograph of the thrust pod for BN1, had BN1 label on it, and it had 4 vent holes, which suggests Raptors. That would make a lot of sense to me. They could do ground testing with 4 Raptors, get a lot of data, open the loop, hopefully not lose the vehicle. I mean, we've gone quite a period since the last pop and splosh and explosion on the actual landing pad, on the test mount. So I think they can test it and keep the Raptors intact in one go via that testing. So, yeah, I can't see the need for more than 4. I think that's what it'll be. I think I'm not putting money on 4. It's always plans we change. Sometimes people hear one thing and it turns out not to be true, and then they think the information was originally wrong. No, this is their makeup. SpaceX changes course every single week, so it's going to be BN3, it's going to be BN4, who knows? Yeah, the thing is, you see, when we report things, it's accurate, trust me. We don't write articles on stuff we're guessing. That's for the forum. That's for people to discuss. You know, that's chat. When we do news articles, that's based on information we believe is verified, and we go, we're confident with it, we put it on site. The problem is, with the pace where Boca Chica changes and Elon's plans change, that could be outdated information before too long. It doesn't mean the information was wrong at the time, it's just the way they work. It's just the way, it's like that with a lot of programs, to be fair. But with Boca Chica, it changes by the week. You can see they now have those 2 sections in BM1 pretty much lined up, so hopefully we'll see them. Lower the top section. I'm going to say it again. I know I said it twice already, but this looks totally insane from this camera angle. We need like full scale models of all the other operational orbital rockets out there in Boca Chica, so you can get a sense of scale, just how much bigger this thing is going to be. But even a Falcon 9 is 70 meters tall, so that's just slightly taller, well not slightly, but 20 meters taller than a Starship, and the Super Heavy booster is by itself taller than a Falcon 9, so incredibly, incredibly tall and massive vehicle. I'm tweeting quite a lot of Boca Chica clips and videos and images just an hour after a successful SLS test. We've tweeted everything about SLS, well, 10 tweets, so it's not like we've ignored it. But the timing is hilarious. Actually, I don't know why I've not thought of this before, Chris, but if a Starship is 50 meters tall and the entire stack is 120 meters, that makes the Super Heavy booster's portion approximately 70 meters. I mean, it's actually about equivalent to a Falcon 9 height. So, essentially, the first stage of Starship Super Heavy system is not only about the same height as the Falcon 9 booster, but it's also has a much, much larger diameter. So, performance of this vehicle is going to be a whole other level. More questions in chat, Ralph.
again. And see if you can.
suivre sur France 24 et sur France24.com. Le monde dans tous ses états, c'est le magazine de géopolitique de France Info et de France 24. Et tous les 15 jours, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter la situation d'un pays au cœur de l'actualité. Avec l'expertise de nos invités, de nos correspondants, mais aussi avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Le monde dans tous ses états, c'est sur France Info et France 24. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les réactions après la mort du président tanzanien John Magufuli. Son décès a été annoncé hier par les autorités tanzaniennes. Il a officiellement succombé à un problème cardiaque. La vice-présidente Samia Suluhu Hassan assure l'intérim. Nous serons à Dar es Salaam, à Nairobi, dans ce journal. Suite de notre série de reportages au Congo-Brazzaville, le pays s'apprête à organiser une présidentielle ce dimanche et l'un des enjeux de ce scrutin, c'est l'économie. Reportage à suivre à Pointe-Noire et puis vous écouterez également le porte-parole du président sortant Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession. Enfin, nous irons au Nigeria, nous vous parlerons d'un secteur en plein essor, celui de l'argent mobile. Il s'est développé pendant la crise sanitaire et a profité de la fermeture des banques. Les détails à suivre dans cette émission. La Tanzanie est en deuil. Ses drapeaux en berne, son président John Magufuli est décédé hier officiellement en raison d'un problème cardiaque. C'est la vice-présidente Samia Suluhu Hassan qui assure l'intérim en poste depuis 5 ans. Le mandat du président Magufuli a été entre autres marqué par de grands projets mais aussi par une dérive autoritaire. Les réactions à Dar es Salaam compilées par Nicolas Jean. Même s'il n'avait pas été vu en public depuis près de 3 semaines, l'annonce du décès de John Magufuli a surpris les Tanzaniens. Il y a quelques jours à peine, le gouvernement affirmait qu'il n'était pas malade et rejetait les rumeurs disant qu'il avait le coronavirus. La vice-présidente Samia Suluhu Hassan a déclaré qu'il était mort de problèmes cardiaques. D'après la Constitution, c'est elle qui va terminer son mandat jusqu'en 2025 et ainsi devenir la première femme à la tête de ce pays. De nombreux Tanzaniens se souviennent de John Magufuli pour son combat contre la corruption. Place. It was the leader trying to change Tanzania for the benefit of the minority, for the benefit of the young generation, upcoming generations. So to me, it was very advantageous to have a leader like Magufuli. I still remember how he stood strong and firm to fight for our country and to make things right whenever there was something wrong. He always fight for the people, for the poor. Mais pour ses détracteurs, John Magufuli était devenu de plus en plus autoritaire au fil des ans depuis sa première victoire à la présidentielle en 2015. L'opposition affirme qu'il est décédé du Covid-19. Il proclamait souvent que ce virus n'existait pas en Tanzanie et que ses concitoyens n'avaient pas besoin de porter un masque. L'an dernier, le dirigeant burundais Pierre Nkurunziza tenait un discours similaire. Il était mort au mois de juin, officiellement d'une attaque cardiaque. Et là aussi, ses opposants avaient affirmé qu'il avait succombé au coronavirus. Et les pays voisins ne sont pas en reste. Le chef de Kenya pour eux a présenté leurs condoléances après la mort de leur homologue tanzanien, parmi eux le Kenyan Uhuru Kenyatta. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Romain. Uhuru Kenyatta, le président kenyan, a été parmi les premiers leaders de l'Afrique de l'Est à présenter ses condoléances à la nation tanzanienne. Lors d'un discours à la nation diffusé sur la télévision kenyane, il a annoncé pleurer la perte d'un frère et a déclaré un deuil national de 7 jours dans lesquels tous les drapeaux du pays seraient mis en berne. Une décision surprenante étant donné que Uhuru Kenyatta et John Magufuli avaient récemment connu des petits heurts Uhuru Kenyatta, notamment critiquant la gestion du coronavirus en Tanzanie, ayant que le
de la journée, des leaders de la région se sont exprimés, ont envoyé leurs condoléances à la Tanzanie. Rabi Ahmed en Éthiopie, à Yoweri Museveni, le président ougandais, en passant par Paul Kagame, le président rwandais, qui a déploré lui aussi la perte d'un pas, à Evariste Ndayishimiye, le président burundais, qui a déclaré que l'Afrique avait perdu un grand leader et un vrai panafricaniste. Partout dans la région, les leaders de l'opposition ont aussi envoyé leurs condoléances à la Tanzanie, tout comme les leaders des partis d'opposition tanzaniens qui ont présenté leurs condoléances à la veuve de John Magufuli. Seul un membre de l'opposition a vraiment dénoté aujourd'hui, il s'agit de Tundu Lissu, candidat malheureux lors de la dernière présidentielle. Il est plutôt savoir en réalité que John Magufuli sera mort depuis plusieurs jours, selon lui, à cause d'une forme grave du coronavirus. Il a expliqué qu'il tenterait bientôt de revenir en Tanzanie afin de chasser le système Magufuli, maintenant que l'ancien président tanzanien est décédé. Suite de notre série de reportages consacrés à l'élection présidentielle en République du Congo. Parmi les enjeux du scrutin, l'économie. Le pays connaît depuis 2014 une crise majeure liée à la chute des cours de pétrole. L'or noir fournit plus de 90% des recettes de l'État. À Pointe-Noire, de nombreuses petites et moyennes entreprises sont en grande difficulté et espèrent une relance qui tarde à arriver. Reportage de nos envoyés spéciaux Clément Bonnereau et Julien Dubois. Cette entreprise de soudure, sous-traitant du groupe français Total, tourne au ralenti depuis plusieurs années. Rien de ça, par exemple. Tout matériel. Pour un client, ça fait, on va dire, bientôt une année, parce que le projet est suspendu, on ne peut pas l'installer. Des équipements qui prennent la poussière et des employés qui travaillent à temps partiel. Avec la chute des cours du pétrole, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires dégringoler. On n'arrive pas à faire des bénéfices. On fait, je veux dire, le maintien. Pour tenter de sauver son entreprise, le gérant a ouvert ce nouveau site il y a 2 ans en faisant le pari de la diversification. Construction, travaux publics, les activités se multiplient, mais les contrats arrivent de compte-goutte. Tout long chemin ou tout chemin commence par un premier pas. Et donc ici, si la source, le socle de l'économie, c'est le pétrole, ce qu'il y a à faire, c'est d'abord puiser dans le pétrole et puiser dans ses trucs. À Pointe-Noire, la crise pétrolière a durement touché l'économie locale, largement dépendante de l'or noir. Des dizaines de milliers d'emplois ont été détruits depuis 2014 et certaines PME ont dû fermer leurs portes. Parmi les rares secteurs à tirer leur épingle du jeu, les activités portuaires, le port de Pointe-Noire a vu son trafic doubler en 10 ans. Il n'y a pas que le pétrole, mais nous avons également le bois. Nous avons notre activité. Donc, le potentiel est énorme, mais le rôle du port, c'est d'offrir les capacités pour permettre à cette économie de se diversifier. Réduire la dépendance au pétrole et relancer l'économie, c'est l'ambition du gouvernement congolais. Mais les aides promises aux entreprises se font attendre. En cause, la dette qui s'élève à 100% du PIB. Lorsque l'État consacre l'essentiel de ses ressources à payer de la dette, elle ne peut pas mener des actions de relance. Il faut effectivement que l'État arrive à négocier avec les créanciers pour avoir un niveau de dette soutenable. Le FMI a suspendu en 2020 les prêts aux pays, exigeant plus de transparence dans la gestion des dépenses publiques. Selon plusieurs ONG, des dizaines de millions d'euros seraient détournés du budget de l'État chaque année. Hier, nous donnions la parole à Mathias Mzon, candidat à la présidentielle du dimanche 21 mars. Aujourd'hui, c'est au tour d'Anatole Koliné-Makosso, ministre et porte-parole du président sortant Denis Sassou Nguesso. Après avoir occupé 37 ans de pouvoir, il est candidat à sa propre succession. Qu'a-t-il de nouveau à proposer aux Congolais et comment compte-t-il répondre aux défis économiques et sociaux? Rosy Piot, notre correspondante, a pu poser toutes ces questions à son porte-parole. Écoutez. Monsieur Anatole Koliné-Makosso, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir été venu nous recevoir. Vous êtes le porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso à la prochaine présidentielle. Alors dites-nous, après 37 années au pouvoir, qu'avez-vous de nouveau à proposer aux Congolais? 39 ans, ça peut paraître trop, mais dans la vie d'une nation, dans la vie d'un État, c'est encore embryonnaire. Et nous poursuivrons le développement entrepris depuis l'accession aux affaires de Denis Sassou Nguesso en 1969, un processus qui a été interrompu en 1992, un travail qui a été détruit entre 1992 et 2000, et qui a repris, qui a
nécessité de poursuivre l'ouvrage. Et justement, vous promettez cette émergence et ce développement depuis des décennies. Qu'est-ce qui vous a empêché de tenir vos promesses jusque-là? Le Congo de 2021 est déjà large, très différent et fondamentalement différent du Congo de 2000. Ce qui revient à dire que les 20 dernières années ont permis un développement remarquable du Congo. Ce qui revient à dire que nous n'avons pas promis quelque chose que nous n'avons pas réalisé. Justement, puisque vous parlez de confiance, certaines voix se sont élevées pour dire que c'est une élection déjà jouée d'avance. C'est pas vous que je dirais qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Ceux qui disent que c'est joué d'avance, c'est ceux qui savent qu'ils ont échoué d'avance. Parce qu'ils n'avaient rien à proposer au peuple, sûr de ce qu'ils ne pourront pas réussir. Ils disent, nous avons échoué d'avance. Je crois que c'est l'expression qu'ils ont voulu utiliser, plutôt que de dire que l'élection est gagnée d'avance. La crise économique qu'a connue le pays, y ajouter la pandémie de Covid-19, ont fait que le Congo aujourd'hui est un pays très endetté, et parmi même les plus endettés du continent. Ce qui a poussé même le Fonds monétaire international à suspendre les prêts qu'il devait accorder au pays, exigeant plus de transparence dans la gestion de la chose publique. Quelles sont les mesures que vous prendrez si jamais le candidat Denis Sassou Nguesso est réélu? Quelles sont les mesures fortes qu'il compte prendre pour justement satisfaire non seulement le Fonds monétaire international, mais aussi lutter contre la corruption qui gangrène le pays? Les négociations avec le Fonds monétaire international se poursuivent. Et si elles se poursuivent, c'est parce que le Fonds monétaire international évalue, et avec intérêt et certainement beaucoup de satisfaction, les efforts entrepris par le Congo pour mettre en œuvre les 48 mesures qui avaient été recommandées pour effectivement assainir totalement les relations. Le goulot d'étranglement porte sur la dette des traders. Il n'y a pas autre chose. Vous retrouverez l'interview du candidat Guy Brice Parfait Colela. Ce phénomène en plein boom au Nigeria, celui de l'argent mobile, connaît une forte hausse du nombre d'emplois et c'est la crise sanitaire qui a boosté le secteur. Lors des confinements, les banques étaient fermées. Désormais, les petits kiosques bancaires pullulent dans les rues de Lagos. Nicolas Jean. La pandémie a profité à certains secteurs. Ainsi, au Nigeria, le nombre d'agents bancaires a explosé. Lors des confinements, les banques étaient fermées. Les agents, eux, travaillent dans des petits kiosques. Ils facilitent les transactions d'argent mobile et liquide et ils gagnent bien leur vie. It has increased my standard of living. It has made my family, my brothers, my daddy's side, my mother's side, it has given me much respect. So it has helped me to support people financially. Certaines compagnies spécialisées dans l'argent mobile affirment avoir multiplié par 6 le nombre de leurs agents en moins de 2 ans. Had like $3.9 billion in transaction revenue processed since the pandemic, and then we've also grown our agents by, I think we have around 50,000 agents now across the country. De nombreux Nigériens ne souhaitent même plus entendre parler des banques traditionnelles. I like coming to an ATM because it is very close to my house, and I also don't like going to the bank because of the crowd. And ever since when I've been using this agent, la forte hausse de l'utilisation des services financiers numériques a bénéficié aux startups locales. L'une d'elles, Paystack, a récemment été achetée par une entreprise américaine pour 200 millions de dollars. Et avant de se quitter, ces images de l'artiste contemporaine marocaine Rizlan Axenaï, célèbre pour ses totems très colorés travaillés sur du bois, du métal ou des toiles. Eh bien, Célia Karasena et Harold Girard sont allés à sa rencontre. Elle leur a expliqué pourquoi elle ne travaillait que sur les tonalités vives. Écoutez. La couleur est vraiment centrale dans mon travail. Pour moi, c'est un moyen de véhiculer l'énergie positive, l'optimisme et la force que je veux partager à travers mon art. Une philosophie de vie très positive, tournée autour de l'optimisme. Moi personnellement m'a fait beaucoup de bien et du coup j'ai envie de partager ça avec le public. J'appelle toutes mes œuvres totem parce que une des définitions du mot totem, c'est un objet qui représente un esprit bienveillant et ils sont chacun porteurs d'une énergie positive, de bienveillance pour que les gens puissent se sentir bien à leur contact. Voilà pour ces œuvres de Rizlan Axenaï exposées à la 193 Galerie à Paris. C'est la fin du journal de l'Afrique.
merci aux équipes en régie, à Nicolas Jorin, Célia Caracena, et puis un joyeux anniversaire avec un peu d'avance à Fatima Tawan qui sera ici demain vendredi aux manettes du journal de l'Afrique. Restez avec nous, la prochaine émission sur France Culture. Décembre 2010. Le suicide d'un jeune commerçant, ignoré et repoussé par l'administration de Sidi Bouzid en Tunisie, émeut le peuple tunisien qui se révolte et appelle à la démocratie. C'est le point de départ du printemps arabe. Quand nous sommes sortis pour protester contre le régime, nous ne pensions pas que nous faisions une révolution. Mais quand le régime est tombé, nous avons eu des rêves. Mais pendant que le peuple goûte à la liberté d'expression, les nostalgiques de la dictature du président Ben Ali pointent du doigt la crise économique du pays. Sous Ben Ali, nous avions la sécurité, de quoi manger et un peu de liberté. Nos reporters sont aujourd'hui à Sidi Bouzid, dans une Tunisie prise entre deux feux, pour tenter de comprendre si les acquis de la révolution ont pu répondre aux rêves du peuple tunisien. Billet retour, présenté par Vincent Roux, à voir sur France 24 et France24.com. Retrouvez la météo avec les cafés Malongo, acteurs du commerce équitable. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Le cœur des hommes bat dans Malongo. Météo avec les cafés Malongo, acteurs du commerce équitable. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Le cœur des hommes bat dans Malongo. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais, je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame, je reviens. Madame, je cherche. Ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver. Vaccinons-nous. Ce quartier, un des trois qui forment le Mirail à Toulouse, est un monde à lui seul. Un monde dont Myriam voudrait saisir l'essence dans ses courts-métrages. Action ! Dans Les Splendides, elle donne la parole aux meufs de Tess, ces jeunes femmes qui se sont façonnées dans les quartiers. Bas de quartier, à voir sur France 24 et France24.com. Merci d'être avec nous sur France 24. À la une de l'actualité, ce reconfinement décidé en France dans 16 départements pour toute la semaine et pour une durée d'un mois. Interdiction de s'éloigner de plus de 10 km de son domicile, mais les sorties ne sont pas limitées dans le temps. Après plusieurs semaines d'incertitude, le Premier ministre a donc mis fin au suspense ce jeudi soir. La réponse du berger à la bergère. Dans une interview, Joe Biden avait dit penser que son homologue russe était un tueur. Eh bien, Vladimir Poutine a répondu de façon assez surprenante aujourd'hui. C'est celui qui dit qui est. Fin de citation.
l'euthanasie légalisée en Espagne, une majorité de députés ont voté pour cette mesure qui prendra effet en juin. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, s'est félicité sur Twitter d'une décision qui rend le pays plus humain, plus juste et plus libre. Le choix d'un confinement dur dans les départements français où le virus circule le plus, ils sont au nombre de 16, dans le nord de la France, la région parisienne et la Côte d'Azur, dans le sud-est. Un confinement toute la semaine pour un mois, à compter de ce samedi. Le résumé des annonces du Premier ministre avec Julien Nény de France 2. Le gouvernement avait préparé les esprits depuis plusieurs jours. Le Premier ministre confirme de nouvelles restrictions pour plus de 20 millions de Français dans 16 départements. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Voici donc la nouvelle carte des zones confinées ici en rouge. Sont concernés tous les départements d'Île-de-France et des Hauts-de-France, mais aussi l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes. Se déplacer dans d'autres régions sera interdit si l'on habite dans ces zones en rouge. Dans les départements confinés, pour sortir de chez soi, une attestation sera de nouveau obligatoire, avec une particularité cette fois. Toutes les activités extérieures sont autorisées à moins de 10 km de chez soi et surtout sans limite de temps. Des mesures saluées ce soir par le corps médical. Les équipes de réanimation sont soulagées et nous passons aussi parce que cette décision qui est assez forte, même si c'est les moins que celle du mois de mars, avril 2020, est quand même beaucoup plus importante que le confinement de week-end qui a montré quand même certaines limites. Parmi les autres annonces, seuls les commerces de première nécessité pourront rester ouverts dans les zones confinées. Il s'agit notamment des commerces alimentaires, des grandes surfaces, des pharmacies, des librairies, des banques et assurances ou des garages automobiles. Tous les autres commerces seront fermés. Autre sujet crucial, les dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le droit de laisser les écoles ouvertes. Cela concerne les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. Les lycéens pourront eux aussi continuer à aller en cours, mais avec une jauge réduite de moitié. À propos du télétravail, le Premier ministre demande ce soir à ceux qui le peuvent de travailler de chez eux au moins 4 jours par semaine dans les zones confinées. Partout ailleurs en France, le couvre-feu passe à 19h. Enfin, le Premier ministre n'exclut pas d'étendre ces nouvelles mesures de confinement à d'autres zones si la situation l'exige. En Ile-de-France, la nouvelle a fait l'effet d'un coup de massue. Au ras-le-bol s'ajoutent les craintes liées au télétravail ou l'incertitude pour les commerçants dont l'activité est jugée non essentielle. Quelques réactions compilées par Paul-Luc Monnier de France 3. Un reconfinement strict pour Paris et toute la région Île-de-France. 8 départements, plus de 12 millions d'habitants concernés. La douche froide ce soir pour ces franciliens. Voilà, ça donnera dans 4 semaines. 4 semaines quand même, c'est bon. Et mars, avril, mai, plus beau jour de l'année, où les gens ont envie de bouger un petit peu après toute cette période difficile, on en a ras-le-bol. On commence à en avoir vraiment marre. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça jusqu'à la fin des temps? Je ne sais pas. J'en ai pas envie, personne n'en a envie, mais on se sent tellement impuissant, quoi. Incrédulité aussi chez les commerçants. En Ile-de-France, au total, 230 000 boutiques et services seront désormais fermés. Dans cette rue parisienne, un énième coup dur. Je crois qu'ils allaient faire samedi et dimanche seulement, mais si on a fermé, ça veut dire qu'on ne tient plus. Et il faut mettre les clés en dessous des paillassons. Économiquement, c'est dur. Jusque-là. On a envie que ça avance, quoi. Parce que si on ferme à chaque fois, ça va être vraiment dramatique. Nous, on a besoin de travailler, quoi. Les salariés franciliens vont aussi devoir s'adapter. Près de Paris, ces ingénieurs resteront à la maison 4 jours sur 5 en télétravail. Donc, le travail, notre lieu de vie devient le même. Et ça. C'est un peu plus compliqué de différencier les deux. Quoi. Au bureau, on a les personnes à portée de main, alors qu'à la maison, on doit attendre que les personnes répondent. Voilà, il y a des problèmes de connexion et tout. Donc, Le patron craint de perdre à nouveau en efficacité.
c'est toujours plus compliqué. Il y a des contraintes techniques, il y a plein de choses qui font que c'est moins fluide. Et en termes de créativité, ça marche moins bien, c'est une évidence. Ces nouvelles règles entreront en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi. Un froid certain souffle sur la rencontre en Alaska entre les chefs des diplomaties américaines et chinoises. C'est leur première rencontre depuis l'élection de Joe Biden. Juste avant de s'entretenir avec Yang Jiechi, Anthony Biden a dit tout le mal qu'il pensait de la diplomatie de la Chine, jugée agressive avec ses voisins, et ses doutes, il les a réexprimés ce soir. On va en parler des dossiers sur la table de cette rencontre avec Mathieu Mabin à Washington. Mathieu, qu'est-ce qui peut sortir de cette rencontre entre les diplomates américains et chinois ? Les nombreux dossiers, en réalité, parce que même s'il y avait une volonté de réchauffement, les désaccords entre les deux pays sont marqués pour arriver. La bataille économique avec la Chine a atteint son paroxysme, on le sait. Mais la guerre froide qui oppose les deux pays est d'autre nature, en tout cas, d'autre nature que celle qui a pu opposer autrefois l'Union soviétique et les États-Unis. Pour Washington, la Chine, c'est l'ennemi, certes, mais un ennemi qui s'est infiltré partout dans la société américaine. Et c'est la différence majeure avec cette guerre froide des années 60 aux années 90. Et à commencer par ce que les Américains consomment, au point qu'aujourd'hui, que la société américaine ne peut plus se priver des produits chinois. Même si on a vu récemment le barrage américain opposé à la pénétration du géant Huawei, par exemple, sur le marché des télécommunications, il en faudra beaucoup plus pour freiner l'expansion chinoise, on l'a compris. Le commerce reste néanmoins le principal sujet de discorde, donc, entre les deux nations, mais la thématique des droits humains est également un point de tension. La question des Ouïghours, bien sûr, le Tibet, et sur le plan militaire, les manœuvres en mer de Chine, et jusqu'au vieux rêve chinois d'annexer Taïwan, ce dont il est proprement hors de question pour Washington. Si on y ajoute la bataille de l'espace, de moins en moins symbolique, ou même encore les propos de l'ancien président américain Donald Trump sur la responsabilité chinoise et les virus, il devient alors inimaginable que ce complot en Alaska conduise à une quelconque forme de rejet. Et alors que Biden est à Chine, menacer la stabilité mondiale, à l'instant Pékin menace de mesures fermes contre les ingérences américaine, la Chine qui appelle aussi les États-Unis à abandonner cette mentalité de guerre froide. Mathieu, quelles seront les conséquences de cette rencontre glaciale sur les relations entre les États-Unis et la Russie ? Et dans l'entourage du président Joe Biden, et en particulier dans ce contexte de crispation avec la Chine que nous venons d'évoquer, de plus en plus de voix dans l'administration, et donc Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, à commencer par le chef de la diplomatie américaine, donc s'élève pour encourager la Maison-Blanche à solder ses comptes avec Moscou. Et c'est probablement la lecture qu'il faut faire des déclarations de Joe Biden. Les frictions entre Moscou et Washington ne peuvent pas durer. L'Europe et les États-Unis ont beaucoup trop besoin de la Russie de demain, avec ou sans Vladimir Poutine d'ailleurs, pour faire face justement à l'expansionnisme chinois. Bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour annoncer la création d'un bloc qui partirait de Washington, passerait par Bruxelles, Paris, puis Moscou, avec comme objectif d'équilibrer une nouvelle bipolarisation, mais concrètement, même si elle s'affiche solidaire pour le moment, les chancelleries européennes n'encouragent pas du tout Joe Biden à une trop grande intransigeance face à Moscou. En clair, ni Moscou ni Washington n'éprouvent un désir sincère de rapprochement, mais c'est bien la croissance chinoise qui finira tôt ou tard par les contrer. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ces explications. L'Espagne devient le quatrième pays d'Europe à légaliser l'euthanasie. La loi entrera en vigueur en juin. Elle permet à une personne souffrant de mal incurable à mourir pour mettre un terme à ses souffrances. Adoptée à une large majorité, cette loi rencontre les rangs de vive opposition des milieux conservateurs. De son devoir pour 141 contre et 2 abstentions, à une grande majorité, les députés espagnols légalisent l'euthanasie et le suicide assisté. C'était l'une des priorités du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Es un día importante para toda la ciudadanía, porque avanzamos hacia una sociedad más humana y más justa. Pero sobre todo, es un día importante para aquellas personas que se encuentren en una situación de grave padecimiento, y también lo es para sus familias y las personas cercanas.
Jusqu'à présent, la loi prévoyait une peine de 10 ans de prison en cas d'assistance au suicide. La nouvelle législation entrera en vigueur d'ici 3 mois, le temps de mettre sur pied des comités régionaux chargés d'examiner et de valider les demandes d'euthanasie et de suicide assisté. Ce jeudi, partisans et adversaires de la loi se sont mobilisés aux abords du Congrès des députés. Estoy satisfecho, pero al mismo tiempo se apuntan ahí emociones encontradas, adversas, ¿no? También hay un punto de rabia, ¿no? De no haber podido conseguir esta ley para que se cumpliese la voluntad de Diana, que fue el motivo por el que empezamos esta lucha, ¿no? Porque con esta ley no se deja ninguna libertad a los que sufren, pero se empuja a tomar la solución más rápida, que es la muerte. Dans l'Union européenne, seule la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont déjà légalisé l'euthanasie. Un projet similaire au Portugal a été déclaré inconstitutionnel lundi dernier. Avant de refermer ce journal, cette note d'espoir, New York, ville martyre du Covid aux États-Unis, revit, les lieux publics ont ouvert, la grosse pomme sort de sa torpeur. Reportage sur place de New York. Pour voir comment bat le cœur de New York, il faut regarder ses artères la nuit. Et depuis quelques jours, le signe est là. Après le travail, la vie nocturne a repris, les bars viennent de rouvrir en intérieur. Comme une renaissance pour ces New-Yorkaises, un an jour pour jour après le confinement de la plus grande vitamine. C'est ma première sortie en soirée depuis un an. Ça fait plaisir de ne plus être juste devant un écran d'ordinateur à longueur de journée. Même si la capacité reste limitée à 50%, le patron de ce bar sur un toit n'en croit presque pas ses yeux. Je vois la vie reprendre, c'est incroyable. On a reçu il y a quelques jours le coup de fil nous disant qu'on pouvait rouvrir. On s'est dépêché de tout nettoyer et de mettre en place un système où les clients peuvent commander tout en respectant la distanciation sociale. L'époque où New York avait été mise sous cloche sur ordre du gouverneur le 17 mars 2020 semble révolue. La ville qui a connu jusqu'à 1000 morts par jour est tombée à quelques dizaines. Aujourd'hui, plus de 20% des New-Yorkais ont été vaccinés et le rythme s'accélère dans des stades ouverts 24 heures sur 24. Résultat, même les cinémas ont pu ouvrir, certes à 25% de capacité. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est une phase. Et c'est bien mieux que d'être complètement fermé, comme on l'a été pendant 51 semaines. Le plus gros signe de la reprise, c'est l'immobilier, un pilier de l'économie. Aujourd'hui, Yves Dicoubé, ancien agent immobilier parisien, enchaîne les visites. Vous avez la chambre de rencontre. Vous avez une vue extraordinaire. C'est bon matin. Près de 100 000 New-Yorkais ont quitté la ville, mais les nouveaux arrivants se bousculent en tirant par le prix en baisse. La pièce est offerte à 10 000 euros par mois au lieu de 13 000 habituellement. Et du coup, le marché explose encore plus qu'en 2019 avant la pandémie. C'est le cas pour les locations, mais c'est aussi le cas pour les ventes. Parce que les ventes ont connu un niveau stratosphérique par rapport aux années précédentes. Et je ne parle même pas encore des touristes qui vont arriver quand les frontières vont ouvrir. On va se recréer. Avec une zone sinistrée, Broadway, le quartier des comédies musicales. Il y a quelques jours, ces artistes de chômage ont organisé une manifestation en chanson. Mais cette industrie qui pèse 10 milliards d'euros par an reste faible jusqu'à nouvel ordre. La prochaine étape, c'est dans 4 jours, lundi prochain, quand les 500 lycées de la ville vont rouvrir. Les jeunes New-Yorkais étaient en enseignement à distance depuis un an. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Tout de suite, vous retrouvez l'entretien de France 24. Marc Perelman reçoit Kyaw Moe Tun, ambassadeur de la Birmanie auprès des Nations Unies. Il a pris position contre le coup d'État de la junte. Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. En Birmanie, les troubles provoqués par le coup d'état militaire du 1er février ne semblent pas près de s'apaiser. Le bilan humain a dépassé les 200 morts, de nombreux responsables politiques sont derrière les barreaux, en premier lieu comme Aung San Suu Kyi, et le régime a imposé la loi martiale dans nombre de régions clés. Le 26 février, il a condamné le coup d'État, appelé le monde à agir et fait le salut des trois doigts, symbole de la résistance contre la junte, emprunté au film Hunger Games. Le régime a immédiatement décidé d'émettre l'ambassadeur de ses fonctions. Il a été accusé de haute trahison. Cependant, il refuse de plier et il est avec nous depuis la
la mission de la Birmanie auprès de l'ONU à New York. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour cet entretien. J'aimerais revenir au 26 février, au discours du 26 février. Vous avez pris cette décision tout seul, votre famille n'était pas au courant. Pourquoi un geste si radical ? Vous savez, le 26 février, j'ai prononcé ce discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais avant cela, j'avais déjà pris ma décision. Le 1er février, l'armée a lancé un coup d'État au Myanmar. Et à ce moment-là, tout le monde, moi y compris, a eu le sentiment de perdre notre avenir. Et surtout la jeunesse. Les jeunes ont eu l'impression que leur avenir leur était volé. En effet, nous refusons de revenir au système précédemment en place. Et c'est pourquoi, dès le 1er février, je savais que je devais faire quelque chose, que je devais agir pour mon pays, que je devais agir pour les habitants de Birmanie. J'ai donc attendu quelques jours pour avoir l'occasion de prononcer ce discours. Et je souhaitais que ce discours ait un impact au plus retentissant. C'est pourquoi je l'ai prononcé le 26 février lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. D'après ce que j'ai compris, vous avez été accusé de haute trahison. Quelle est votre réaction ? C'est une accusation très grave. Et j'ai envie de leur dire merci. Je suis fier de ces accusations. Parce que quand le coup d'État a éclaté le 1er février, on a immédiatement vu des millions de personnes descendre dans la rue pour protester contre ce coup d'État, pour demander le retour de la démocratie, pour demander la libération de nos dirigeants, Aung San Suu Kyi, le président Aung San Suu Kyi et les autres responsables politiques, les autres défenseurs des droits civiques. Déjà, la population voulait voir le retour de la démocratie en Birmanie. Et donc, le fait que la junte militaire m'accuse de trahison est une grande fierté pour moi. Cela montre que je suis vraiment du côté du peuple de Birmanie, ce peuple qui souhaite que la démocratie revienne en Birmanie. J'en suis très fier. La semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait une déclaration condamnant la violence contre les manifestants. Cette déclaration a été adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité, y compris la Chine. Mais est-ce que cela suffit ? Vous avez appelé le monde à agir par tous les moyens dans votre discours. Est-ce que le monde en fait assez parce que les violences continuent jour après jour ? Merci. Lors de la déclaration présidentielle le 11 mars. En effet, dans cette déclaration, il condamne la violence. Mais en parallèle, comme je l'ai déjà dit, nous souhaitons éviter que d'autres jeunes ne soient tués. Nous voulons éviter de perdre d'autres vies. C'est pourquoi nous avons encore besoin que des mesures plus fermes soient rapidement prises par le Conseil de sécurité, et ce, afin de mettre un terme à la violence qui tue des civils innocents en Birmanie. Les actions les plus fermes, quelles qu'elles soient, doivent être entreprises par la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour nous aider à protéger la population de Birmanie, cette population qui se sent démunie. S'il n'est pas possible d'aller devant le Conseil de sécurité, parce que certains membres permanents peuvent bloquer des mesures supplémentaires, une des options, c'est des sanctions supplémentaires. Les États-Unis ont adopté des sanctions, l'Union européenne a adopté des sanctions. Est-ce que vous pensez que c'est une voie à suivre ? Est-ce que vous pensez que c'est assez pour faire en sorte que le régime écoute et qu'il cesse ses agissements ? Car le régime a dit, nous avons notre feuille de route, et indépendamment des mesures ou des sanctions prises par la communauté internationale.
vous savez, nous demandons à ce que les sanctions soient imposées. Ces sanctions ciblées sont utiles pour les habitants de Birmanie pour lutter contre la junte militaire. Nous avons besoin que la communauté internationale impose ces sanctions ciblées, qu'elles soient collectives ou individuelles. Nous pensons que ces sanctions sont utiles. Ceci étant, lorsque ces sanctions ciblées sont imposées, nous devons également nous assurer que l'impact sur la population de Birmanie soit le plus faible possible. La population doit souffrir le moins possible de ces sanctions. En parallèle, nous avons besoin de sanctions plus fortes, des sanctions ciblées. Nous avons besoin de sanctions coordonnées, ciblées et fortes, plus fortes de la part de la communauté internationale. Je reprends à mon compte ce qu'a dit le rapporteur spécial sur la situation en Birmanie, Thomas Antrou. Il a prononcé un discours au Conseil des droits de l'homme, déclarant que si d'un groupe de pays partageant les mêmes valeurs pouvait imposer des sanctions ciblées sur la junte militaire, cela serait très utile. Je pense que la communauté internationale devrait également s'intéresser aux flux financiers qui soutiennent le régime. Ces flux devraient être coupés aussi vite que possible, dès maintenant. Voilà le type d'action coordonnée dont nous avons besoin de la part de la communauté internationale. Si vous pouvez agir, agissez tout de suite, s'il vous plaît. Il y a vraiment péril dans la demeure pour le peuple de Birmanie qui a besoin d'être protégé. Bien, il y a eu des rapports, des déclarations du commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état de décès et de torture en détention. J'imagine que vous avez certains contacts. Qu'est-ce que vous entendez sur ce qui se passe en plus des violences que nous voyons dans les rues? Est-ce que vous entendez parler de violences derrière les barreaux ou loin des regards? Vous savez, les informations dont je dispose sont disponibles sur les réseaux sociaux. Dans la rue, le peuple est sans défense. La junte assassine le peuple de manière très brutale. Les atrocités commises par la junte militaire me rendent sans voix. Il s'agit réellement de crimes contre l'humanité commis par la junte militaire. La communauté internationale devait mettre un terme aux agissements violents de cette junte. Immédiatement. C'est notre demande. Alors, bien évidemment, bien sûr, sur la base des informations que nous avons reçues. Alors, par exemple, des membres de la résistance ont été arrêtés aujourd'hui. Le lendemain, leurs familles ont demandé leur corps. Ils ont vu. I'm trying to remember when the radiography.
Why?
part of set two. Yeah, that's a good point. The aerosurface is always coming off when I'm photographing it, because I personally like to put the object in the center of the frame most of the time, but the aerosurface is giving you like an offset, so but I have a lot of shots where I almost did what I wanted, but not quite, because I was still
2007, they would reduce to operating just a few minutes a day. That's okay if you're a robot, but not so good if you need to do things like, I don't know, breathe or see it right. To get around this, the first Martian colonist will need to bring a different kind of power source, like something based on plutonium. Because plutonium doesn't care if the sun is out, so it's not that there aren't solutions to these problems. We could clean up the soil, build radiation-proof habitat, and figure out a reliable power supply. The thing is, there are a lot of problems, and finding the answer to each of them in a way that's
be done for today. I need some glue. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on passe donc de ces familles, mais également à lycée.